Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une autre routine. Mais avant, je voulais glisser quelques trucs. Genre les cadeaux, parce qu'on va fêter l'anniversaire, le mien, celui de mon père et celui de mon cousin. Et en gros, j'ai pris ce cadeau pour la fête des grands-mères. La fête des mères, les grands-mères, super. Pour ma belle-mère, parce que ma mère, je ne lui parle plus. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire rapide, je vous montre juste comme ça, je vous raconte pendant que j'envoie. Celui pour mon cousin, il a demandé, c'est sur sa liste, alors que c'est sorti il y a longtemps, genre. Quand je dis longtemps, 2018. Ça fait un bout de temps, quoi. Surtout que maintenant elle fait des comédies musicales, elle fait Molière, l'opéra pop urbain ou un truc comme ça. En gros, pour l'histoire avec ma mère, c'est que quand j'étais mineure, je pouvais rien faire, je pouvais pas m'en faire rien. Donc elle utilisait souvent le physique, donc ça veut dire qu'elle. Elle faisait dormir dans les chiottes. Elle me faisait manger sur le paillasson alors qu'on était un immeuble. Attends, je coupe parce que ça fait du bruit. Voilà. Et quoi d'autre? Elle me frappait, elle me laissait partir en sang à l'école. Elle faisait plein de choses et après, une fois que j'ai grandi, bah, elle sait que je pouvais quitter l'union familiale. Elle utilisait beaucoup la violence, mais verbale, c'est possible. C'est après, plus tard, que je me suis rendu compte que ça fallait pas avoir cette personne-là dans ma vie. Et après, j'ai vécu avec mon père le temps que je trouve un. Parce que je voyais toujours mon père, c'était une semaine sur deux. Et après, une fois que j'ai trouvé un taf, bah, j'ai emménagé toute seule. Et voilà. Donc, je sais que ma belle-mère, c'est ce qui raconte, c'est plus une mère. Et que je lui offre des cadeaux pour la fête des mères. Du coup, genre j'ai dit à ma belle-mère parce que c'est elle qui prend mon linge. Je fais à quelle heure, genre en rejoint parce que d'habitude c'est midi et demi. Et là elle a dit bah cette fois-ci ce sera 11h15 parce qu'on va ailleurs. Jamais on m'a dit on va ailleurs. Là, je lui donnerai avant. Je lui donnerai à 11h, quoi. Et vous avez dit un mot de où le cadeau de mon père. C'est que mon père, il voulait une seule chose. Et c'est ma soeur qui l'a pris. On a fait tout simplement à ma soeur. C'est qu'il voulait une carte cadeau ASM pour la boutique. Parce que nous, on en a deux. On a le CA de Marcel Michien. Et on a. Après la boutique à Jeune, ceux qui savent pas, parce que j'ai vu qu'il y en a qui me suivent de l'étranger, ASM c'est notre équipe de rugby, du coup à Clermont-Ferrand. En gros, c'est comme si on disait un peu Clermont Foot, sauf que Clermont Foot c'est pour le foot. C'est la figure, c'est un peu. Là, je pense qu'il a manqué du papier cadeau, mais c'est pas grave, on le voit pas trop. Dans le sens, c'est que là, il va manquer du papier cadeau, mais elle va pas dîner. D'habitude, je leur faisais bouquet ou
Enfin, c'est un truc. Je sais pas. Envie de faire un bouquet. Pour mes cadeaux d'anniversaire que vous voulez, je fais toujours une vidéo dessus. J'ai eu ceux de mon pote, mais j'attends juste en fait ceux de ma famille. Donc vu qu'on va le faire dimanche et qu'on est vendredi, pour vous, vous verrez cette vidéo mardi. C'est pas grave après tout. Et du coup, après, là, il est très midi. Et donc, vous verrez cette vidéo. Je vais prendre la nuit de footing, je vous prendrai le soir. Si je fais cette vidéo, ça c'est quand je vais couper. Vous verrez, je recoupe et je recoupe. Donc, je disais que là, je vais faire deux night routines. Une quand je bosse et une quand je bosse pas. Parce que ça change un peu. Mais quand après, je verrai aussi la morning routine, mais sur une autre vidéo, pas celle-là. J'adore mon cousin qui se réveille 10 ans après. Quoi. Après, je suis 2018 à 2024. Ça fait 6 ans. Donc, presque 10. Le pire, c'est que moi, je l'ai l'album de Lou. Je l'avais acheté sûrement à sa sortie, mais le prochain album que je vais acheter, c'est celui de Pierre Garnier. Il sort le 7. Ah, celui-là, il a vraiment un papier avec les cadeaux. Alors qu'il y en a qui sont différents. Un peu complexe. Mais voilà. Je voulais pas faire une vidéo genre qui dure 2 minutes, tout ça pour mettre juste des cadeaux. Ça peut vous donner des idées. Mais après là c'était des idées genre qu'il voulait. Et vous avez vu que par exemple pour mon père, il voulait un truc de l'ASM. Vous pouvez faire pareil. Si par exemple, c'est en fonction des questions, si par exemple il y a une équitation, soit il y a des stages dans les centres équestres. Ça coûte plus cher, mais après par exemple il y a les derbies. Par exemple là il y a un concours qui va arriver cet été, donc vous pouvez encore réserver. Il s'appelle la mode de front. C'est un concours genre complet. Vous avez le saut de steak, vous avez le dressage. J'y suis jamais allée, c'est que mon centre équestre en fait partie. Mais vous pouvez allier toutes les passions, vous avez juste à chercher en fait. J'essaie de mettre un minimum de scotch. Well ben, tout ça est emballé. J'ai deux cadeaux. Et genre, un cadeau pour mon pote parce que lui, c'est en juillet. Mais au moins avec les délais de livraison, ça arrive en juin. Donc, c'est mieux que ça arrive un juillet plus tôt. Un chouïa trop tard. Et j'ai commandé le cadeau de ma grand-mère qui est en août. En gros, c'est grâce à un cadeau que mon pote m'a offert que j'ai eu l'idée de faire la même chose, mais pas la même image. Vous verrez, je vous en dirai plus quand vous verrez la vidéo cadeau d'anniversaire. Donc du coup, je vous laisse et on se retrouve pour la night routine donc ce soir. Et là, c'est la version où le lendemain, je travaille. Et du coup, là, demain, on sera ce soir, on est vendredi. Donc, vous verrez la version samedi, du coup, où je bosse pas le lendemain. Donc, sur ce, je vous dis ciao. Enfin, tout à l'heure. Donc,
Du coup, on se retrouve pour la night routine. Donc, quand je pose pas le lendemain, malheureusement, j'avais tourné cette vidéo, je l'avais publiée et en la publiant, j'ai vu qu'il manquait la partie, beaucoup de parties. Donc, je l'ai supprimée. Et du coup, je la refais. Donc, la night routine quand je bosse pas. Donc, là, j'ai mangé tranquille et tout ça. C'est commun, je commence après. Donc là, il est presque 21h. Vous allez voir la différence avec demain, du coup. Quand je bosse pas, du coup, là, j'étais en train de lire. Disons que hier, je l'avais pas commencé. Enfin, j'ai commencé que hier. Et, genre, entre hier, j'ai lu, c'est la partie du haut que j'ai lu. Donc, si je peux. Genre, j'ai lu ça. Bref, ça. Et en même temps, aujourd'hui, parce que c'est le match de l'Euro, mais c'est français, je veux pas tous les regarder, je regarderai que les matchs français. Juste au moins, après, quand je dis regarder, c'est regarder vite fait. Genre, je suis pas très dans le foot, mais là. Je regarde que les événements style, par exemple, des fois JO ou Euro, mais pas les petits trucs. Et en attendant, soit du coup, je pianote sur mon téléphone, soit du coup, je vais poser mon téléphone. C'est du diamant platine que j'ai presque fini. Voici, le voilà. Donc là, il m'en manque pas beaucoup. Je vais voir combien il me reste de sèche. Ça, c'est le papier pour le protéger. Un petit. Je le fais, mais uniquement quand je pose pas le lendemain. Parce que quand c'est le début, c'est des petits sachets. Je commence toujours par les petits. Donc c'est assez rapide. Ça se fait en 10-15 minutes, mais certains durent plus longtemps. Et genre, vu que mon chat, j'ai pas envie qu'elle avale les petites billes. Bah, je suis obligée d'y terminer. Du coup, il en reste 4. J'aurais fini celui-là que je vous montre peut-être en story ou un truc comme ça. Je vais couper jusqu'à que je change d'activité. Et je vous montrerai après ce que je fais. Vous allez voir que les heures de coucher sont loin d'être les mêmes. En fait, je chante l'hymne et ça doit être le premier match. Ça veut dire que là ils sont tout frais et tout, mais à la fin de l'Euro. Ce qui est marrant, c'est que genre à chaque fois on est à la finale, souvent contre les Portugais d'ailleurs, et à chaque fois on échoue. C'est qu'ils sont assez doués, c'est. Mais là, ah bon, oh là, je suis à contre-jour. Donc du coup, je vous reprends dès que je change. Donc là, il reste 20 minutes du match et ça fait 1-0. Donc pour l'instant, la France gagne. Donc là, on va passer à la night routine. Donc tout d'abord, après il y a la douche que je vous ai épargnée sur. Là, je passe d'abord de l'eau. En gros, si je fais ça, à chaque fois c'est pour enlever le pollution. Parce que malgré tout, il y en a. Ça, c'est de l'eau micellaire.
que je sais pas où. Ah si, je crois que ça devait être dans le truc du voyage. Au final, là c'est mes yeux qui commencent à fatiguer à mort. Donc là, maintenant, on va aller le salon. Je regardais le mec. C'est la crème de nuit. La crème de nuit et la crème de jour ont des particularités différentes. C'est qu'il y en a qui protègent et genre un peu répare la fatigue la nuit, et la jour c'est plus sur les effets genre soleil et tout, pollution. Et ça, c'est la différence entre l'élixir et la crème de jour. La crème de jour, c'est plus quand t'es vieux et genre ça soigne les imperfections. L'élixir a d'autres pouvoirs, genre pour les plus jeunes, quoi. Comme ça, je suis prête. Et... Alors, la cuisine, à chaque fois, bon, je vais bientôt me coucher. Je vois ce petit truc. Ceci est une potion rêve. Au début, je savais pas pourquoi ça s'appelait rêve, mais genre quand je l'ai bu à chaque fois, ça j'avoue que quand genre je suis en repos le lendemain, parce que genre je suis comme un petit bébé, parce que c'est aubépine, myrtille et lavande, et vu qu'il n'y a pas de sucre dans toutes ces potions. Je bois pas toute la bouteille, j'en laisse à chaque fois. Et pour l'instant, ça sera tout pour tout de suite. Parce que tant que le match finisse, et après, je vous reprendrai après pour ou pas. Parce qu'après, au final. Ma tradition, c'est juste d'écouter de la musique. Je m'endors comme ça. Disons que si je m'endors pas en musique, c'est compliqué de m'endormir. Et après, bah, je dors quoi. Donc du coup, je vais couper là. Je vous retrouve demain soir. Donc ce sera ma night routine, mais version je travaille le lendemain. Donc je vous dis à demain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une autre routine. Mais avant, je voulais glisser quelques trucs. Genre les cadeaux, parce qu'on va fêter l'anniversaire, le mien, celui de mon père et celui de mon cousin. Et en gros, j'ai pris ce cadeau pour la fête des grands-mères. La fête des mères. Les grands-mères, super. Pour ma belle-mère, parce que ma mère, je ne lui parle plus. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire rapide, je vous montre juste comme ça, je vous raconte pendant que je l'envoie. Celui pour mon cousin, il a demandé, c'est sur sa liste, alors que c'est sorti il y a longtemps, genre. Quand je dis longtemps, 2018, ça fait un bout de temps, quoi. Moi, je me vois. Surtout que maintenant elle fait des comédies musicales, elle fait Molière, l'opéra pop urbain ou un truc comme ça. En gros, pour l'histoire avec ma
mère, c'est que quand j'étais mineure, je pouvais rien faire, je pouvais pas m'en faire rien. Donc elle utilisait souvent le physique. Donc ça veut dire qu'elle me faisait dormir les chiottes. Elle me faisait manger sur le paillasson alors qu'on était un immeuble. Attends, je coupe parce que ça fait du bruit. Voilà. Et du coup, elle d'autre. Après, elle me frappait, elle me laissait partir en sang à l'école. Elle faisait plein de choses et après, une fois que j'ai grandi, bah, elle sait que je pouvais quitter l'union familiale. Elle utilisait beaucoup la violence, mais verbale, c'est possible. C'est après, plus tard, que je me rends compte que ça fallait pas avoir cette personne-là dans ma vie. Et après, j'ai vécu avec mon père le temps que je trouve. Parce que je le voyais toujours, mon père, c'était une semaine sur deux. Et après, une fois que j'ai trouvé un taf, bah, j'ai emménagé toute seule. Voilà. Donc, c'est pour ça que ma belle-mère, c'est ce qui rapproche que plus d'une mère. Et que je lui offre des cadeaux pour la fête des mères. Et du coup, je dis à ma belle-mère parce que c'est elle qui prend mon linge. Je fais à quelle heure je rejoins parce que d'habitude c'est midi et demi. Et là, elle a dit bah, cette fois-ci ce sera 11h15 parce qu'on va ailleurs. Jamais on m'a dit on va ailleurs. Là, je lui donnerai avant. Je lui donnerai à 11h quoi. Et vous avez dit un mot où le cadeau de mon père, c'est que mon père il voulait une seule chose et c'est ma soeur qui l'a pris. On a fait tous un virement à ma soeur. C'est qu'il voulait une carte cadeau ASM pour la boutique. Parce que nous, on en a deux, on a le CS de Marcel Michin. Et on a après la boutique à Jeune. Ceux qui savent pas, parce que j'ai vu qu'il y en a qui me suivent de l'étranger, ASN c'est notre équipe de rugby du coup à Clermont-Ferrand. En gros c'est comme si on disait un peu Clermont Foot, sauf que Clermont Foot c'est pour le foot. C'est à plusieurs, c'est un peu. Là, je pense qu'il a manqué du papier cadeau, mais c'est pas grave, on le voit pas trop. Dans le sens, c'est clair, il va manquer du papier cadeau, mais elle va pas dire. D'habitude, je leur faisais bouquet ou certains trucs. Je sais pas, on va lui faire un bouquet. Pour mes cadeaux d'anniversaire, je fais toujours une vidéo dessus. J'ai eu ceux de mon pote, mais j'attends juste en fait ceux de ma famille. Donc, vu qu'on va le faire dimanche et qu'on est vendredi, pour vous, vous verrez cette vidéo mardi. C'est pas grave, après tout. Et du coup, après, là, il est très. Midi et je reprendrai cette vidéo sur la note routine, je vous prendrai le soir si je fais cette vidéo, je vais la couper. Vous verrez, je recoupe et je reprends. Donc je disais
que là, je vais faire deux night routines. Une quand je bosse et une quand je bosse pas. Parce que ça change un peu. Mais quand après, je verrai aussi la morning routine, mais sur une autre vidéo, pas celle-là. J'adore mon cousin qui se réveille 10 ans après. Quoi. En fait, je suis 2018 à 2024. Ça fait 6 ans. Donc, presque 10. Le pire, c'est que moi, je l'ai l'album de Lou. J'avais acheté sûrement un sa sortie, mais le prochain album que je vais acheter, c'est celui de Pierre Garnier. Il sort le 7. Ah, c'est un peu là. Celui-là, il a vraiment en papier, papier cadeau. Alors qu'il y en a qui sont différents. Un peu complexe. Mais voilà. Je voulais pas faire une vidéo genre qui dure 2 minutes, tout ça pour mettre juste des cadeaux. Ça peut vous donner des idées. Mais après là c'était des idées genre qu'il voulait. Et vous avez vu que par exemple pour mon père, il voulait un truc de l'ASM. Vous, vous pouvez faire pareil. Si par exemple, c'est en fonction des questions, si par exemple il aime l'équitation, soit il y a des stages dans les centres équestres. Ça coûte plus cher, mais après par exemple il y a les derby, par exemple là il y a un concours qui va arriver cet été, donc vous pouvez encore réserver. Il s'appelle la mode de Vron. C'est un concours genre complet. Vous avez le saut de steak, vous avez le dressage. J'y suis jamais allée, c'est que mon centre équestre en fait partie. Mais vous pouvez allier toutes les passions, vous avez juste à chercher en fait. J'essaie de mettre un minimum de scotch. Red Bang. Tout ça est emballé. J'ai deux cadeaux. Et genre, j'ai un cadeau pour mon pote parce que lui, c'est en juillet. Mais au moins avec les délais de livraison, ça arrive en juin. Donc, c'est mieux que ça arrive un juillet plus tôt. Un chouette trop tard. Et j'ai commandé le cadeau de ma grand-mère qui est en août. En gros, c'est grâce à un cadeau que mon pote m'a offert que j'ai eu l'idée de faire la même chose, mais pas la même image. Vous verrez, je vous en dirai plus quand vous verrez la vidéo cadeau d'anniversaire. Donc du coup, je vous laisse et on se retrouve pour la night routine donc ce soir. Et là, c'est la version où le lendemain, je travaille. Et du coup, là, demain, on sera ce soir, on est vendredi. Donc, vous verrez la version samedi, du coup, où je pose pas le lendemain. Donc, sur ce, je vous dis ciao. Enfin, tout à l'heure. Donc, du coup, on se retrouve pour la night routine. Donc, quand je pose pas le lendemain. Malheureusement, j'avais tourné cette vidéo, je l'avais publiée et en la publiant, j'ai vu qu'il manquait la partie, beaucoup de parties, donc je l'ai supprimée et du coup je la refais. Donc la night routine quand je bosse pas, donc là j'ai mangé tranquille et tout ça. Donc c'est commun, je commence après. Donc là il est presque 21h, vous allez voir la différence avec demain. Du coup quand je bosse pas, du coup là j'étais en train de lire. Disons que hier je l'avais pas commencé, enfin j'ai commencé que hier. Et genre entre hier, j'ai lu, c'est la partie du haut que j'ai lu. Donc si je peux, genre j'ai lu ça, bref ça. Et en même temps aujourd'hui, parce que c'est
c'est le match de l'Euro. Mais c'est les Français, je veux pas tous les regarder, je regarderai que les matchs français. Juste au moins, après quand je dis regarder, c'est regarder vite fait. Genre, je suis pas très dans le foot, mais je regarde que les événements style, par exemple, des fois JO ou Euro, mais pas les petits trucs. Et en attendant, soit du coup, je pianote sur mon téléphone, soit du coup, je vais poser mon téléphone. C'est les diamants platine que j'ai presque fini. Bon, ici, le voilà. Donc là, il m'en manque pas beaucoup. Je vais voir combien il me reste de sèche. Ça, c'est le papier pour protéger. Un petit peu. Je le fais, mais uniquement quand je pose pas le lendemain, parce que quand c'est le début, c'est des petits sachets. Je commence toujours par les petits, donc c'est assez rapide. Ça se fait en 10-15 minutes, mais certains durent plus longtemps. Et genre, vu que mon chat, j'ai pas envie qu'elle avale les petites billes, bah, je suis obligée de les terminer. Du coup, il en reste 4. J'aurais fini celui-là que je vous montre peut-être en story ou un truc comme ça. Je vais couper jusqu'à que je change d'activité. Et je vous montrerai après ce que je fais. Vous allez voir que les heures de coucher sont loin d'être les mêmes. Après, j'entends l'hymne, c'est d'être le premier match. C'est-à-dire que là, ils sont tout frais et tout, mais à la fin de l'Euro, ce qui est marrant, c'est que, genre, à chaque fois, on est à la finale, souvent contre les Portugais d'ailleurs, et à chaque fois, on échoue. C'est qu'ils sont assez doués, c'est... Mais là, ah bon, oh là, je suis à contre-jour. Donc du coup, je vous reprends dès que je change. Donc là, il reste 20 minutes du match et ça fait 1-0. Donc pour l'instant, la France gagne. Donc là, on va passer à la night routine. Donc tout d'abord, après il y a la douche que je vous ai épargnée sur. Là, je passe d'abord de l'eau. En gros, si je fais ça, à chaque fois c'est pour enlever le pollution. Parce que malgré tout, il y en a. Ça, c'est de l'eau micellaire. Que. Je sais pas où. Ah si, je crois que c'est ça. Ça devait être dans le truc du voyage. Au final, là c'est mes yeux qui commencent à fatiguer à mort. Donc là, maintenant, on va aller dans le salon. Je regarde le mec. Donc là, c'est la crème de nuit.
La crème de nuit et la crème de jour ont des particularités différentes. C'est qu'il y en a qui protègent et genre un peu répare la fatigue la nuit et le jour c'est plus sur les effets genre soleil et tout, pollution. Et ça, c'est la différence entre l'eau, enfin, l'élixir et la crème de jour. La crème de jour, c'est plus quand t'es vieux et genre ça soigne les imperfections. L'élixir a d'autres pouvoirs, genre pour les plus jeunes, quoi. Comme ça, je suis prête. Dans la cuisine, à chaque fois, bon, je vais bientôt me coucher. Je vois ce petit truc. Ceci est une potion rêve. Au début, je savais pas pourquoi ça s'appelait rêve. Mais genre, quand je l'ai bu à chaque fois, ça j'avoue que quand genre, je suis en repos le lendemain. Parce que genre, je suis comme un petit bébé. Parce que c'est aubépine, myrtille et lavande. Et vu qu'il n'y a pas de sucre dans toutes ces potions. Je bois pas toute la bouteille, j'en laisse à chaque fois. Et pour l'instant, ça sera tout pour tout de suite. Parce que tant que le match finisse, et après, je vous reprendrai après pour ou pas. Parce qu'après, au final, ma tradition c'est juste d'écouter de la musique. Je m'endors comme ça. Disons que si je m'endors pas en musique, c'est compliqué de m'endormir. Et après, bah, je dors quoi. Donc, du coup, je vais couper là. Je vous retrouve demain soir. Donc, ce sera la night routine, mais version je travaille le lendemain. Donc, je vous dis à demain. Donc, on se retrouve pour la night routine de quand je bosse le lendemain. Donc, là, je viens de sortir de la douche. Avant, quand il fait pas trop chaud, je préfère me laver un peu avant. Mais là, vu qu'il fait hyper chaud, genre, je me suis lavé presque avant de me coucher. Donc, au final, là, c'est un peu spécial parce que je rentre qu'à 19h chez moi, entre dimanche. Donc, dimanche, on était le 23 et le 27. Parce que mes parents, enfin le 27, je compte rentrer plus tôt, mais mes parents sont partis au Portugal et du coup je dois nourrir leur chat. Sauf que du coup j'y vais de 11h jusqu'à 19h et le mien, on va dire qu'il est là-bas. Après, je pense que ça doit la faire souiller un peu parce que je passe moins de temps avec elle. Au final, je passe de 19 jusqu'à 4 heures le lendemain. Après, vu que je bosse de 4 à 11, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Et du coup, pour la night routine de quand je bosse, du coup, la vue que je sors de la douche, j'ai pas besoin de passer le démaquillant, quoi. Mais je vais vous montrer les produits que j'utilise dans la douche, même si des produits assez, on va dire classiques. Donc, pour le corps, j'utilise ça. C'est un gel douche de mec. Parce que j'ai une odeur, on va dire, un peu forte. Et du coup, bah, les trucs féminins ne sont pas assez puissants. Chaque fois, tu sais, ça enlève un peu l'odeur, mais ça la couvre pas totalement. Ensuite, j'utilise un shampoing genre classique. Après, pour le visage, et ça dépend, des fois
si je sens que j'ai beaucoup de boutons, c'est un gommage. Donc de chez Crochet, à chaque fois je les paye pas, c'est les cadeaux qu'ils m'offrent. C'est pas sponsorisé, c'est ce que bah, des fois c'est marqué cadeau offert sous simple visite, et vu comme ça c'est gratuit, bah j'y vais. Ça, j'utilise ça pour les parties intimes parce que moi j'ai fait beaucoup d'infections urinaires, du coup je préfère me protéger comme ça. Et ensuite le dernier, ça genre je sais pas, genre comme les autres où ils utilisent 50 produits, je vais pas arriver à le choper parce que les billes sont pas inquiète. C'est un produit pour les cheveux, un masque, genre je le mets uniquement quand je me lave les cheveux. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que je mets toujours, mais uniquement avant de me coucher. Parce que après je vais faire du patin à glace sur le parquet. Enfin sur le carrelage. C'est une crème hydratante pour les pieds parce qu'ils sont tout secs. Donc on va appliquer le même masque que pour la néritrodine de quand je ne pousse pas. Parce que ça change pas ça. C'est lequel, celui-là? Day Night. Donc là, chaque fois je le fais en moisson, ça amène un petit vent de fraîcheur. Donc pour reprendre, parce que j'ai dû recommencer, du coup pour la suite de Night Routine, faut savoir qu'avant j'étais beaucoup accro aux boissons, et genre le coca et tout, et pour réduire, pour la santé. Après j'en bois toujours, genre pour des occasions, faut pas non plus pousser mémé, mais genre quand je dis les occasions, c'est les anniversaires qu'on rassemble. Au final il y en a, parce qu'on est beaucoup dans la famille, enfin beaucoup, genre on est à peu près 4 de chaque côté, mais genre, mais bon, mes grands-parents sont 2, genre nous avec ma famille on est 4. Donc ma belle-mère, mon père, ma soeur et ma tata, et genre on les rassemble, donc on fait une aile, ça fait un groupe de 3. Et du coup, je ne bois que pour ces occasions-là. Et encore, des fois, je bois, quand je dis je bois de l'alcool, c'est que j'aime pas beaucoup d'alcool. Je suis pas très alcool. Et à chaque fois, genre, je, pour pas vraiment mon préféré, c'est le muscadinel, et bah je prends au fond, donc au final. Donc vu que j'étais beaucoup accro aux boissons, je prenais, pour réduire, je prenais du Lipton, qui est moins gazeux, et des, après je passais à l'eau aromatisée, genre Volvic, là, les Volvic Juicy, il y a toujours du sucre, mais moins. Et après, est-ce que j'ai pu basculer dans un... l'été froid, ça veut dire que l'été froid, c'est ce que je viens de faire, tu mets de l'eau, tu fais infuser comme l'été, l'été chaud tu peux rajouter du sucre, l'été froid tu peux le faire peut-être aussi, mais j'en fais pas. Du coup ça fait que je bois de l'eau, j'ai l'impression de boire une boisson, sauf que du coup en fait c'est juste de l'eau aromatisée. Donc après j'ai jamais offert. Pour la suite de la night routine, du coup, tout ce que je vais mettre, c'est, je marche pas loin, hein, pour les pieds, parce que les chaussures de sécurité, ça les abîme de ouf. Et après, parce que là je vais bientôt couper, je vais mettre une série, un film, je sais pas. Et ensuite bah, la différence avec la night routine, que quand je bosse pas j'aurais pu lire après avoir écouté de la musique, c'est ce que je vais faire, écouter de la musique après avoir regardé la série. Mais là si je lis je peux pas m'arrêter, donc mauvais truc, parce que après,
Oui, ça me fait coucher hyper tard. Et après, je vais, en parlant de ça, de la série et tout, je vais publier une story que vous pouvez trouver sur RapidRS63. Donc, les stories sont éphémères, mais vous en apprendrez plus sur les chats tous les jours. Par exemple, là, c'est j'ai beaucoup étudié les philosophes et les chats, la sagesse. Je vais y arriver. La sagesse des chats est infiniment supérieure de Hippolyte. Soit c'est ça, soit c'est un vrai ou fou, soit bah, ça dépend quoi. Et du coup, là bientôt, je verrai quand il fera. Bon, il fait beau, il fait hyper chaud même. La différence c'est que l'an dernier j'avais anticipé un peu et j'avais tourné les vidéos d'été. Les vidéos d'été, c'est les visites de ville parce que je me suis rendu compte que on connaît pas les villes autour de chez nous, ou très peu. Parce que en fait, des fois on préfère partir loin alors que tu as des choses à découvrir autour. Donc vous avez vu les. Pour ceux qui arrivent juste qui découvrent ma chaîne, vous avez toutes les vidéos sur des thématiques genre Halloween, Noël. Là, il y a des visites de ville, il y a du parc d'attractions, il y a tout en fait. Et je voulais pas une chaîne prédéfinie, par exemple, qu'au livre ou qu'aux séries ou que. Je sais pas, il y en a qui font sur la beauté. Moi, je voulais pas que ça soit prédéfini. J'avais envie de faire ce. Par exemple, si je fais une sortie, genre de ouf, bah, y a les vlogs concerts, il y a de tout en fait. Et du coup, là, pour les visites de ville, il commence à faire chaud et cet été s'annonce canicule presque partout. On est bientôt en juillet, dans une semaine. Donc, je suis dans le caca parce que je dois. Me promener. Disons que. On est le 2 juillet, mardi. Je suis censée faire une visite de ville. Je suis peut-être le plus près. Après l'an dernier, ce que j'avais fait, c'est que des fois j'en faisais deux. Je tournais deux visites de ville en une journée. Donc j'étais sortie. Et là, je vais. En fait, le problème, c'est que j'attends ma paye pour pouvoir rouler avec ma voiture parce que le reste d'une part. Et nous, on le reçoit avant la fin du mois. Ça dépend quand c'est la fin du mois. Là, c'est dimanche. Donc, il y a moyen qu'on le reçoive samedi ou vendredi. Et là, on est mardi. Demain, du coup, là, on est proche d'être mercredi. Donc, ça approche. Pour ceux qui ne savent pas, les soldes vont commencer demain. Donc, voilà. Moi, du coup, je vais vaguer à mes occupations. Et pendant ce temps, genre, je tourne la story et après je plierai le linge que j'ai récupéré chez ma belle-mère. Et après, je vais en gros me coucher. Donc, du coup, là, il est 20h17. Je jette la poubelle parce que je suis très sélectif. Genre, là, il y a la poubelle jaune. Et là. La poubelle noire. Je préfère les accrocher là parce que mes sacs sont petits et ça permet des fois que ça pourrit pas et ça pue pas. Par exemple pour la litière de chat, je l'achète quand genre le sac il est presque plein. Comme ça, ça part direct à la poubelle. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche et on se retrouve. Du coup, on va faire une exception parce que j'ai une vidéo de tournée et qu'on va rentrer en mois de juillet. Et vu qu'il n'y a pas prévu cette vidéo, on va la mettre. On va la mettre jeudi et samedi, il y en aura une autre. Mais du coup, si cette vidéo t'est.
T'as plus, n'hésite pas à liker, commenter, partager, n'oubliez pas de t'abonner, activer la cloche. On se retrouve du coup jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao.